Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sagalcam, Monsieur le commandant de la brigade de Sagalcam, Mesdames, Messieurs les élus, chers notabilités, chères autorités coutumières et religieuses, chères populations de la commune de Sagalcam, le garde sacré de l'Opoum, de l'Afrique enseignant, d'Arikim Yaharab Sagalcam, Noflaï et l'Université Atassé. Nous remercions Dieu de nous avoir permis de compétir et de gagner dans la plus grande transparence, mais surtout d'avoir permis la tenue d'élections possibles sans violence ni autres. Le mérite revient aux populations de Sagalcam qui ont fait preuve de maturité et de responsabilité. Les prémices étaient là, mais la volonté de vivre ensemble et en paix a été au-dessus de toutes les considérations partisanes. Ces populations de Sagalcam, soyez-en remerciés. Nous nous félicitons aussi de la bonne tenue des élections qui sont déroulées dans la plus grande transparence. C'est l'occasion pour moi et au nom de tous les acteurs de féliciter l'administration territoriale au premier plan Monsieur le sous-préfet Mohamed Bachir Ndaw. Je veux aussi saluer à la fois l'opposition et la majorité pour cette tenue et cette qualité démocratique. Je fais le vœu qu'elle se prononce tout au long de notre mandat commun. Je m'engage à associer notre opposition, non seulement à toutes nos commissions, mais aussi à toutes nos démarches et à tous nos projets. Nous le ferons parce que nous sommes respectueux de la légitimité populaire. Nous le ferons parce que l'opposition représente une partie certes minoritaire, mais significative de nos concitoyens. Nous le ferons enfin et surtout avec la conviction que dans chacun de nos débats, une partie de la vérité sera dans les positions de nos amis de l'opposition. M'adressant à la population de la commune de Sagalcam, je tiens tout d'abord à vous remercier de la confiance que vous venez d'exprimer à mon égard en me confiant la responsabilité des affaires communales pour les 5 prochaines années.